Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo rapide. Alors, je me suis juste mis là, juste dans une petite ruelle, parce qu'en fait, c'est le matin, il est tôt le matin, enfin relativement tôt le matin. Je vais à la salle de musculation. On est lundi matin, je filme cette vidéo, elle va être publiée le soir. Mais il y a plein de gens dans la rue, je sais pas ce qui se passe, il y a plein de gens dans la rue. Et donc à chaque fois, je suis obligé d'enlever le masque, de remettre le masque, d'enlever le masque, de remettre le masque. C'est super pénible. Alors je me suis juste calé ici dans une petite ruelle. Il y a déjà quelqu'un, juste quelqu'un qui arrive. Donc voilà, parce que c'est vraiment fatigant d'ouvrir, elle va de remettre tout le temps. Les Coréens, dès qu'il y a quelqu'un sans masque, ils sont affolés. Donc voilà, donc l'annonce que je vais le faire assez rapidement, c'est que j'ai ma chaîne Superfan qui parle de business en ligne, elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte, alors ça fait une dizaine de jours qu'elle est ouverte. Si vous êtes inscrit à ma liste mail, vous le savez déjà. Et voilà, là elle est ouverte et on va arriver sur un rythme de croisière, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'été, il y a une vidéo tous les deux jours qui est publiée. Donc vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses au niveau du business en ligne. L'idée de cette chaîne Superfan, c'est vraiment de vous apprendre à vivre de votre business en ligne avec une micro-audience de fans. Mais ce que j'ai voulu faire, en fait, si vous voulez, c'est que je me suis aperçu avec le temps. Maintenant, ça fait depuis novembre 2015. Maintenant, quand j'y pense, assez longtemps que je vis à 100% de mon business en ligne, enfin de mes business en ligne, de mon contenu. Ce que j'ai pu noter, c'était vraiment que c'était l'éparpillement, en fait. C'était vraiment cette notion d'éparpillement, le fait de ne pas savoir vraiment ce qu'on fait, de partir dans un sens, partir dans l'autre, qui empêchait les gens de vivre de leur business en ligne. Très souvent, c'était l'une des choses principales qui empêchait les gens de vivre de leur business en ligne. Et ce que j'ai voulu faire ici sur cette chaîne, c'est littéralement de vous apprendre à vivre de votre business en ligne avec une micro-audience, mais avec une méthode très structurée que j'ai appelée la méthode Superfan. Si vous voulez, c'est un petit peu l'idée que si on vous demande de faire une charlotte aux fraises, que vous avez jamais cuisiné, vous avez jamais fait de gâteau, on vous dit ok, fais-moi une charlotte aux fraises et qu'on vous dit rien d'autre, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que si on vous dit ok, voilà les ingrédients et voilà la recette de la charlotte aux fraises. Et c'est un petit peu le switch que je veux faire avec cette chaîne, c'est-à-dire que la plupart des gens qui se lancent dans le business en ligne, ils n'ont jamais fait l'entrepreneuriat, ils n'ont jamais gagné leur vie sur internet et on leur dit ok, comme si c'était des cuisiniers, fais-moi une charlotte aux fraises, comme s'ils n'avaient jamais cuisiné et on leur dit rien d'autre. Et là, le but, c'est que vous ayez quelque chose de structuré, que vous ayez une recette. Alors, c'est pas parce que vous avez la recette, c'est pas parce que je donne la recette de la charlotte aux fraises à 10 personnes que les 10 personnes vont tout de suite réussir. Mais l'idée, c'est de voir que, ok, j'ai des étapes, je peux faire ces étapes, je peux me concentrer sur chacune de ces étapes, je peux voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, si ça fonctionne pas, où est-ce que ça fonctionne pas. Encore une fois, vraiment cette notion de structure, c'est ça vraiment qui est essentiel pour moi. J'ai la conviction que ça peut faire une différence dans la vie de beaucoup de personnes. Et surtout, moi, si j'ai tenu vraiment à faire cette chaîne Superfan, c'est parce que je pense que le business en ligne, et je crois sincèrement au fond de moi que le business en ligne, c'est un accélérateur pour créer la vie qu'on veut. C'est vraiment un accélérateur pour créer la vie qu'on veut. Moi, tout ce que j'ai pu faire, beaucoup de choses que j'ai pu faire, comme le fait de vivre ici, de vivre à Séoul, ça n'aurait pas été possible aussi rapidement sans la création de contenu. Donc pour moi, c'est réellement un outil d'accélération de création de sa vie sur mesure. Moi, c'est comme ça que je le vois, comme d'autres choses, comme par exemple la bourse pour créer son patrimoine, c'est aussi un outil d'accélération de sa vie sur mesure. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je vais aller à la salle de musculation. J'avais déjà commencé à faire cette vidéo une première fois, mais je l'ai stoppé parce que il y avait des gens qui passaient tout le temps et c'était un petit peu pénible entre les gens, les bus, etc. Donc si vous voulez accéder à cette chaîne Superfan, c'est le premier lien dans la description. Il y a une vidéo tous les deux jours qui est publiée jusqu'à la fin de l'été pour apprendre à vivre de votre business en ligne avec une méthode structurée, la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain matin pour la prochaine vidéo chaque jour.